Salut à tous, c'est ZeldaBoy99 et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode. Enfin non, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Titan numéro 2 qui s'agit d'une vidéo Titan de Super Mario Galaxy 2. Donc nous y allons, donc j'ai déjà réfléchi à l'avance à quel niveau je pourrais bien vous montrer. Et nous y allons, ouais. Alors j'espère que cette vidéo va évidemment vous plaire. Dernièrement, je ferai des vidéos détente hein, de plusieurs jeux. Ah oui, sinon, à propos hein, du game capture, hein, parce que vous savez, dans l'épisode 3 de mon replay Zelda Toile Princesse, vous avez parlé des game capture. Hein. Attends, c'est dans quel... Attendez. Je cherche juste... Ah voilà, c'est mon... Bah bref, à propos du game capture, en fait, ce serait bien que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous préférez que je m'achète un game capture, bah condition, bah... Enfin, que je m'achète un game capture, mais à condition vous voyez enfin, je veux dire, si je m'achète un game capture, faudra encore que j'économise encore 50 € gros minimum. Donc ça prendra pas mal de temps. Alors donc voilà, mais et puis en plus ça ne changera strictement rien à part la qualité. Ou alors que je m'achète une carte mémoire de GameCube, une manette de GameCube, et puis comme jeu GameCube, Zelda Wind Waker, et puis Mario Sunshine, vous voyez, dans ce cas-là, bah, je pourrais me l'acheter tout de suite, vous voyez, si je m'achète ces jeux-là. Et puis c'est surtout, bah voilà, quoi, que ce sera mieux, je pourrais vous faire un replay de Zelda Wind Waker. Donc voilà, ce serait bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous préférez entre que je m'achète un game capture ou pour la GameCube. Mais perso, je pense plutôt que je vais m'acheter des jeux de GameCube hein, pour jouer sur Wii. Parce que voilà quoi, je pourrais faire des vidéos de plus de jeux et surtout que les vidéos seront plus variées, on va dire. Bref, à part ça. Donc voilà, ce serait bien que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires, à part ça. Donc je pense que je vais vous faire genre deux niveaux hein, dans ce niveau, enfin dans cette vidéo là. Ah, quel bolos hein. Quel bolos hein. Foiré. Skill PGM, attention. Alors. Bon bah sinon bah voilà quoi, ce serait bien. Alors. Donc là je crois que si je me trompe pas il va peut-être avoir un petit mini boss hein, dans ce niveau là, je suis pas sûre. Oh punaise. Ça fait bobo cucu, attention hein. Ça fait bobo cucu hein. Encore ça c'est pas un niveau très dur hein, sachant que ça vient du monde 2. Donc voilà, moi, personnellement, je pense que je vais m'acheter... Zut, je suis mort, attendez, je vais juste faire une coupure, si vous permettez. Oh, salut à tous, excusez-moi, j'étais mort. Et que moi, j'ai été moulu, hein, attention, et ça décolle. Hein. Donc bref, voilà, je pense que je vais m'acheter des jeux de GameCube. Voilà, parce que voilà, quoi, j'ai un choix plus grand de vidéos de jeux que je pourrais faire. Pour faire des vidéos de quiz de jeux. Et donc voilà, je pense que ça serait mieux. Hein. Après, il faudra que vous me en pensez dans les commentaires, bref. Mais arrêtez de répéter ça 500 milliards de fois, ça va pas le faire. Donc là, je vais devoir juste reconstituer le puzzle. Parfait. Tour de l'autre sens. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et que le recadrage de l'écran est bien fait. Hein. Alors. Attendez, je vais juste faire une coupure parce que vous permettez, voilà. Excusez-moi, c'était un problème de recadrage, je pense. Alors, nous continuons. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, c'est vrai. Ah bon, de quoi je vais pouvoir parler? Bah, de toute façon, j'ai déjà présenté dans la vidéo test. Et un petit mini-boss, hein, qui était déjà présent dans Mario Galaxy 2. Je pense que t'es vraiment bête hein, parce que ramener son bébé dans un combat
c'est pas très intelligent. Dire moi, si je vais me battre contre un mec, je vais pas ramener un bébé sur mon dos, on va dire. C'est un petit peu bête. C'est juste question de principe. Quand on fait des combats, il faut avoir une certaine tenue, vous voyez. Et on va pas se battre avec un bébé sur notre dos. Il est débile cet insecte. Il est con. Bon, excusez-moi pour l'insulte, mais cet insecte est vraiment très débile. Bref, à part ça, nous récupérons cette super étoile. Et nous allons faire cap sur le monde 6 pour un niveau qui est pas mal du tout, hein, franchement. Alors, comment je bégaye, un truc de ouf. Voilà. Et donc nous allons aller dans le monde 6. Permettez, je fais un plus petit coupure, ok. Re-salut à tous. Donc là, attendez, je viens d'atteindre le monde 2. Donc nous y allons de suite. Voilà. Juste le son comme ça. Et donc nous y allons, moi. Donc ça va être un niveau très très bien, donc je vais pas vous faire hein, la pierre de Flipper, je vais vous faire la première étoile du niveau, quoi, hein, on se casse pas le cul, c'est simple. Et ce niveau est vraiment très très bien au niveau du lever design, c'est vraiment très magnifique, enfin magnifique tout court. Hein. Très magnifique, c'est moi ne pas parler français. Hein. Alors, à part ça, ce qui est bien, c'est ce que vous voyez, et puis dans ces niveaux, en fait, il y a des femmes qui sont en bulle, vous voyez. Elle est une sorte d'étoile très chelou. Et puis les phases, on marche sur des petites planètes, vous voyez. Hein.
c'est pas le. Alors Mario, c'est pas le. Mario, ce n'est pas le héros élu des DS. Mario, c'est le plombier qui va dans l'espace et qui mange des champignons en pétant des briques à main nue. C'est logique. J'adore cette logique. C'est vraiment débile, au sens propre du terme. Je sais pas pourquoi je dis au sens propre. Ah. Attention. Non. Kamikaze. Mince. J'en appuyais sur Home sans faire exprès. Et donc, bah, nous allons devoir nous arrêter là. Aïe. Nous allons devoir nous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Car vous savez très bien que les vidéos sont limitées à 15 minutes de vidéo. Et ben là, je vais devoir m'arrêter là. Et j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Hein. Nous allons nous arrêter sur le magnifique levé design qu'il y a derrière. Vous avez ramassé des fragments d'étoiles. Nous nous en foutons. Littéralement, vous avez trouvé des pièces sans blague. En fait, je l'avais pas marqué. Hein. En fait, je suis tellement con. Bon, ça... Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Nous allons nous arrêter là sur cette vidéo. Attendez, oh là 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 là. J'arrive pas à trouver un bon lever design. Ah, attendez, peut-être par là. Voilà. Quoi? Mais non, mais j'en ai marre de vivre, bon, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, nous allons nous arrêter là, sur ce magnifique lever de tisane, et donc au revoir et à la prochaine vidéo.